mensonge, c'est une tentative ratée de dire la vérité. C'est souvent une marque d'angoisse ou de tentative d'entrer en relation avec quelqu'un sur des termes acceptables pour l'un et pour l'autre. Donc, je vais patenter la réalité pour que ça soit acceptable pour les deux parties. Il y a une présentation des choses cinématographiée, formelle, faite pour être comprise rapidement par l'interlocuteur. Tu sais, c'est comme un slogan d'une entreprise où quand j'ai écrit « Demain nous appartient », à partir d'aujourd'hui, « Demain nous appartient », c'est un crise de mensonge, c'est juste pas vrai. C'est pas vrai que 15 novembre, le 16 novembre, non, non. Mais il faut consentir à cette espèce de poétisation du réel qui fait qu'on présente les choses d'une manière qui s'adresse à l'imaginaire. Et l'imaginaire, c'est une autre dimension que le factuel, là. Tu sais, achetez nos REER et vous allez avoir une belle retraite. T'es dans l'imaginaire, là. T'es pas dans la comptabilité. T'sais? Donc, si la personne qui a acheté le REER n'a pas eu une belle retraite, tu peux pas accuser la banque 30 ans avant d'avoir menti. Parce que ce langage-là s'adresse à l'imaginaire. Même chose en politique, même chose en commerce. Pendant les années 70, j'ai fait une campagne pour les magasins Labbé. Et le slogan, c'était « Demandez-nous n'importe quoi ». C'est moi qui ai fait le slogan. Et les avocats ont dit « On peut pas dire ça ». Si quelqu'un arrive et demande « Je veux un tigre du Bengale », j'ai dit « Christ, vous ferez comme chez Harrods à Londres, puis vous dites « OK, dans 3 mois, venez le chercher, on va vous aller chercher un au Bengale ». Non, non, mais ça marche pas. Fait qu'on a ajouté, après « Demandez-nous n'importe quoi » ou « Presque ». Bon, OK. C'est-tu vrai ou pas vrai? I don't know, I don't care. C'est pas ça. Ce que ça voulait dire, c'est qu'on a pas mal d'affaires. Venez chez l'abbé, il y a pas mal d'affaires. Mais c'est pas mentir, ça. Si je suis un menteur, et si je vous dis que je mens, est-ce que je mens en vous disant que je mens? Donc, est-ce que je ne dis pas la vérité? Si je dis la vérité, je ne suis donc pas un menteur.